Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le journal Lef. Rapidement, mais quelques petites nappes pour nous développer pour vous. Chef l'État Jovenel Moïse décide de modifier le décret qui portait sous création Alliance Nationale Intelligence là, ANI. Unité Lutte contre Corruption ULCC lancée jeudi dans Pétionville deux jours d'information pour le commissaire gouvernement agréfié sur application loi 12 février 2021 qui gagne pour avec déclaration patrimoine. Ministère Santé publique continue à enregistrer nouveaux cas coronavirus. Dans la date 14 décembre, il y a 30 nouveaux monde qui sont infectés. L'autre bord de l'eau, le président français Emmanuel Macron testé positif dans le coronavirus et puis la campagne de vaccination sur le continent européen a commencé le 27 décembre qui vient là. Petite ça avec l'autre information pour le fait essentiel journal. Merci parce que vous toujours branché mes développements journal là. J'en ai annoncé dans le titre. Youn nan conseiller Jovenel Moïse, Guichard Doré, annoncé matin sur Radio Métropole, gouvernement pral modifier décret qui crée Agence Nationale Intelligence lan ANI. C'est Office Protection Citoyen et Citoyenne OPC qui a gen mission fait travail ça. Côté article 49 là parmi modifications qui a gen pour côté. N'a rappelé décret ça te fait en pile valer en dedans société haïtienne nan, surtout bon côté secteur opposition. N'a pas la justice pendant des jours commissaire gouvernement yo ak greffier yo a bénéficié yon formation sur application loi 12 février 2021 qui chita sous déclaration patrimoine. C'est unité lutte contre corruption ILCC qui lance formation ça qui commence jeudi 17 décembre nan en présence ministre là Rockefeller Vincent. Pour te mettre en Jacques Ludwig Joseph directeur général ILCC à nan micro Bell TV. Cette démarche traduit notre volonté agissante de combattre en amont et en aval le phénomène aux effets dévastateurs qu'est la corruption. Si on doit espérer réussir ce combat que le gouvernement mène tambour battant, il faut absolument qu'on se dote d'instruments et de connaissances actualisées et avérées pouvant mettre en déroute les stratégies non sans importance des déviants, des récalcitrants et des contrevenants. Nous croyons que combattre la corruption exige des attitudes instinctives et perspicaces permettant d'anticiper les risques et de sanctionner les faits incriminés accomplis. Combattre ce fléau nécessite une formation solide, susceptible de contrecarrer les stratagèmes continuellement renouvelés des corrompus et des corrupteurs. Bon côté pâle, ministre de Justice la Rockefeller Vincent rappelé conséquences négatives corruption en gain sur une société côté l'État gain ambition renforcer compétences acteurs concernés. Les efforts dans le combat contre la corruption sont voués à l'échec sans un appareil répressif affûté, apte à faire payer au prix fort les corrompus et les corrupteurs de tout rang, grade et fonction. À cet effet, le gouvernement entend renforcer les compétences du bras répressif de la justice dans cette lutte dont dépend l'avenir de toute la nation. La corruption nous vole, nous tue, nous agresse quotidiennement avec une arrogance sauvage, ce qui exige que nous appliquions toutes nos forces et toutes nos lumières à la terrasser. La corruption trouble la paix dans la cité, elle détruit notre image de peuple, elle renverse les pouvoirs légitimes pour instaurer des camarillas à la tête de l'État. Nous devons donc l'anéantir par ses racines. Haïti Santé, dans la date 14 décembre 2020, le ministère de la Santé publique et la population a enregistré 30 nouveaux cas coronavirus. Dans ce sens, il y a 39 079 cas suspects, 9 627 cas confirmés, 1083 cas actifs, 8 310 personnes guéris et 234 autres mourus. MSPP, ministre Kilti et Communication, Kadel Enriquez,
continuer à encourager la population haïtienne, respecter les hygiènes dans l'idée pour limiter la propagation du virus. L'autre nouvelle, Stricti Kire les Matrices Libération qui organise jeudi une conférence débat en baptême, changement constitution dans un contexte domination. Dans l'occasion, porte-parole Stricti Sa Antoinette Duclair te présente mission et objectif Matrice Libération. Matrice Libération, c'est une expression qui est utilisée dans tout domaine. Tant que, une base pour démarrer, matrice pour construire, pour produire. Pour réaliser un projet, un rêve, un bagage nouveau. Tant pour ma mission forte, ma prise libération, concevoir un projet libération qui a construit, qui a grandi, qui a sorti, qui a produit, qui a débouché, ouais par ouais, sur notre société. Dans l'occasion de la conférence de Bassa, ancien sénateur l'Ouest, Antonio Chirami, a profité de présenter officiellement Matrice Libération comme un nouveau parti politique. En côté monsieur Chirami. Eh bien, je dis à nous même au niveau matrice, nous lancer débat et c'est un commencement. Nous pour lancer nous dans une vaste opération pour nous cerner vagabond qui veulent changer constitution non seulement pour mettre dans Jean Payo ou après constitution parler de l'école gratis, ça pas intéressé yo. Li parler de logements sociaux ou après trois quarts monde dans caï carton y a vivre dans quartier populaire, ça pas intéressé yo. Bon là, nous voulons changer pendant nous pas respecter ça pour peuple là. Qui ça nous pas le mettre là? Moi même ta me connais qui ça on pas le mettre. Moi même penser jodi a démarche matrice là, non seulement li rentrer dans cadre bataille nous gain pour mener. Monsieur Chirami critiquer tout façon la police a mené opération yo en dans village de Dieu. Yo voyé zam non série des zones. Là au fin voye zam dans série des zones ça ou formé gang yo en famille allié, y a cap marcher kidnapper moun et puis là au fini un bon matin là au lever papa ou tonton Sam frappe pied, li dit c'est pas projet ça me dégave nous et ben qui ça ou fait sous base y a chercher moun yo te bay zam depuis c'est malheureux malheureux yo joine sous route yo tout profiter pour un bal. Moi même moi pas d'accord sous base ou a chercher moun ou te bay zam pour détruire moun la et village de Dieu. C'est pauvre vieux qui rete bon l'homme, n'a utilisé stratégie pour nous prendre et moun nous te bay zam parce que nous connaît yo. Nous connaît qui est nous te armé. D'ailleurs yo parler dans radio, nous connait côté yo. Peuple haïtien souffre assez. Peuple haïtien souffre trop. Nous pas ka en famille et allié qui te moun yo a continuer massacrer moun dans quartier défavorisé yo. Mais nous poko jamais voir visage un bandit qui tombé. Sous base ça moi même me mandé la police est-ce que c'est plongaï l'a fait ça le ramasser ou bien il connaît très bien qui est-ce qui gagne zame dans mais parce que au public yo sur tout réseau. L'autre bord de l'eau, président français a Emmanuel Macron trappé virus COVID-19 là. Yon l'autre bord campagne vaccination contre COVID-19 là a commencé 27 décembre k'ap vini là. Sous continent Europe là, c'est dirigeant Union européenne là, Ursula von der Leyen qui fait annonce ici là. Nous allons pas oublier suivre Bell TV sur YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Nous te content informer.